Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les objets du kit d'objets Bamba. Alors, j'ai un peu tout posé déjà dans mon jardin. Là, il y a une maison de poupée. Donc, on va envoyer la petite fille qui, en plus, est triste. Elle a fait un cauchemar. Donc, on va vite l'emmener jouer à la poupée. Et ce qui est bien avec ce kit, c'est que, avec cet objet, c'est que une fois que la petite joue, on peut prendre un adulte qui peut la rejoindre et venir jouer avec elle. Donc là, il y a mon Sims, le papa, qui va venir jouer avec la petite fille. À côté, j'ai posé là des coussins qui font partie également du kit. Des chaises, très classiques, qui existent bien sûr en d'autres couleurs. Le auvent qui est indépendant et le tapis est également indépendant. Voilà, donc il joue tranquillement. Donc la petite, on va l'emmener jouer ici. Donc ici, elle peut ramper à travers. Bien entendu, ça augmente ses capacités, donc elle peut grimper et s'amuser ici. On va la faire descendre, on va aller dans celui d'à côté qui est beaucoup, beaucoup plus complet. Il y a le même principe, elle peut ramper, mais elle peut également jouer à faire semblant, comme si c'était une base spatiale ou un bateau de pirate. Donc on va faire la base spatiale. Plutôt sympa parce qu'il y a plein d'animations du coup quand elle joue à la base spatiale. On va faire la même avec l'épave de bateau pirate. Alors, ils veulent. Ah, base aux pirates. Donc ensuite, on peut ramper à travers, glisser et grimper. Donc on va annuler ça. Voilà, donc là, je lui ai demandé d'aller glisser. Donc elle va utiliser le petit toboggan. Et on se retrouve en fait avec exactement la même animation que si on utilisait le petit toboggan tout seul qui est sur la droite là, ici. Si on fait grimper, ça va être également similaire à ce qu'on a pu avoir à gauche. Voilà. Et ramper à travers, c'est comme l'autre. Ici, on a la piscine à boules, donc on peut jouer dans la piscine. Youhou! Donc, si on fait grimper ou glisser, on a les mêmes animations ici sur le petit toboggan. Là, on a joué dans la piscine à balles. Et là, on se retrouve avec ramper à travers. Et ici, c'est le cumul de tout le monde. Bon, ma Sim est vraiment pas contente, la petite. Donc, il va falloir que les parents aillent s'en occuper. Pendant qu'ils s'en occupent, moi, je vais vous montrer les autres choses que j'ai posées. Donc, ici, ce sont des plots. Donc, il faut que ce soit des enfants pour s'en servir. Elle est trop petite, elle peut pas. Et là, c'est des tables de pique-nique, des ballons, ici des barbecues, et ici c'est une petite glacière, enfant trop frais. Donc si je vous montre dans la construction, si je fais afficher tout, et donc ici nous sommes sur le kit d'objets des bambins, voilà. Donc c'est ce que je vous ai montré, les coussins, les chaises, table de pique-nique, la glacière. Ah oui, j'avais oublié, juste les guirlandes qui sont là. Donc le poteau à guirlande et la guirlande. Là, les quatre touches qui permettent, en les composant, de créer quelque chose comme ça. Le pack de fête qui est sur la table, ici et ici. Le tapis de gestion de crise que j'ai utilisé comme un tapis pour faire joli ici et ici.
la couverture de pique-nique idyllique qui est ici. Les tentes, voile d'ombrage. La cabane pour jouer à la poupée que j'ai mis là-dessous. Les coffres à jouets. Le toboggan. La piscine à balles. Et les deux tunnels. Et le truc à barbecue. Voilà pour le tour des nouveaux objets ajoutés avec ce kit d'objets. Merci à vous, à plus tard.